Deutéronome. We lezen in het boek van Deuteronomium. Deuteronome chapitre 30. Deuteronomium hoofdstuk 30. Deuteronome chapitre 30. Deuteronomium hoofdstuk 30. Nous allons lire le verset 19. We zullen lezen in vers 19. Peut-être je commence à partir du verset 15, si vous permettez. Als jullie het toestaan, zal ik beginnen bij vers 15. Jusqu'au verset 20. Tot en met vers 20. Deuteronome 30, 15 à 20. Deuteronome, c'est le cinquième livre de Moïse. Deuteronome is het vijfde boek van Mozes. Le dernier livre de cinq livres de Moïse. De laatste van de vijfde boeken van Mozes. Nous lisons ceci bien, mes frères et sœurs. We lezen het volgende, geliefde broeders en zusters. À partir du verset 15. Vanaf vers 15. L'Éternel Dieu dit aux enfants d'Israël. Heere God zegt het volgende tegen de kinderen nous van Israël. Nous allons le lire ensemble. 3, 2, 1. Luister, vandaag je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Dans le pays que tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu ne veilles point, et si tu ne laisses pas andere goden te aanbidden, à te procéder devant votre Dieu et à le servir, je vous déclare aujourd'hui que vous bénissez, que vous ne prendrez pas vos jours dans le pays où vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Hemel en aarde zijn mijn getuigen dat ik u vandaag de keuze heb gegeven tussen leven, leven en dood. J'ai mis devant toi la vie et la mort, zegen of la bénédiction et la malédiction. Kies dan toch het leven. Choisis la vie et tu vivras. Zodat u uw kinderen kunt leven. Ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu. Gehoorzamen van de Heer. Obéir à sa voix. Et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la plantation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. 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 On prie ensemble maintenant. Dites après moi, Seigneur éternel, je te bénis, Seigneur. Ik zegen u, Heer. Pour ce temps que tu me donnes. Voor deze tijd dat u mij geeft. D'être dans ta présence et dans ta maison. In uw aangezicht, in uw huis te zijn. Merci pour ta parole. Bedankt voor uw woord. Ta parole est la vérité. Uw woord is de waarheid. Et une puissance. En een macht. Pour le solide de quiconque croit. Voor de redding van zij die geloven. Je crois en ta parole. Ik geloof in uw woord. Je te prie, Seigneur. Ik bid tot u, Heer. Que cette parole atteigne son but dans ma vie. Dat dit woord zijn doel mag halen in mijn leven. Qu'il me sauve. Dat het mij redt. Qu'il me délivre. Dat het mij bevrijdt. Qu'il accomplisse de grandes choses dans ma vie. Dat het grote dingen in mijn leven mag vervullen. Dans le nom de Jésus Christ. In de naam van Jezus Christus. Au nom puissant de Jésus. In de machtige naam van Jezus. Cher Saint-Esprit de Dieu. Lieve Heilige Geest van God. Toi le meilleur enseignant. U de beste onderwijzer. Enseigne-moi, Seigneur. Onderwijs mij, Heer. Ouvre mes yeux spirituels. Open mijn spirituele ogen. Afin que je vois les merveilles dans la loi de l'Éternel. Zodat ik de wonderbaarheid van God mag zien. Dispose mon cœur. Disponeer mijn hart. À être un terrain favorable. Om favorabele plek te zijn. Un terrain fertile. Een goede plek te zijn. Sur lequel tu vas planter ta parole. Waarover u uw woord zal en qu'elle produise des fruits. En dat vruchten mag produceren. Digne de repentance. Die staat zijn tot bekering. Au nom de Jésus Christ. In de naam van Jezus Christus. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci pour que vous asseoir. Glorie aan onze God. Dankjewel jullie kunnen plaatsen. Saluons, nous bénissons nos bien-aimés à la radio sur le Facebook. We groeten onze geliefden aan de radio op Facebook. Et tous ceux qui nous souffrent d'une manière ou d'une autre. En alle anderen die ons op een of andere manier volgen. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons, vos foyers. Dat de Heer jullie zegen, jullie huizen, jullie gezinnen. Il est le Dieu qui remplit le ciel et la terre. Hij is de God die vervult de hemel en aarde. Il n'est pas limité par un homme, par une femme. Hij is niet begrensd door een man of een vrouw. Il n'est pas limité par la géographie. Hij is niet begrensd door de geografie. Il est le Dieu qui est venu aujourd'hui dans ton foyer, dans ta maison. Hij is de God die vandaag in je huis en in je gezin is gekomen. Et qu'il vous visite aussi pendant ces instants. En die jullie deze momenten zal bezoeken. Bien, mes frères et sœurs. Geliefde broeders en zusters. Après nous avoir parlé sur le discernement. Nadat we hebben gesproken over de onderscheiding. Le Seigneur nous parle aujourd'hui sur le choix.
De Heer spreekt ons over de keuze. Amen, amen. Amen. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à faire les choix. De Heer roept ons vandaag om te kiezen. Et c'est pour cela qu'il nous envoie cette parole. Daarom stuurt hij dit woord. En nous disant. Het volgende. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. Ik neem vandaag als getuige de hemel en aarde. Je mets devant toi la vie et la mort. Ik zet voor je het leven en de dood. La vie et la mort. Het leven en de dood. La bénédiction et la malédiction. De zegening en de vloek. Choisis la vie. Kies het leven. Et tu vivras. En je zal leven. Il est question de choisir ici. Het is een manier van kiezen. Choisis la vie. Kies het leven. Je te propose. God stilt je. Il y a des choix à faire. Er zijn twee keuzes. La vie et la mort. Het leven en de dood. La bénédiction et la malédiction. De zegening en de vloek. Le punissement dans le pays qu'il vous donne. De uitbreiding in het land dat hij jullie geeft. Ou la destruction dans ce pays. Of de vernietiging in het Mais land. Dieu dit, maar God zegt. Défends les choix. Voor deze twee keuzes. Je te propose. Ik stel het de choisir le bon choix, de faire le bon choix. Om het goede keuze te maken. De choisir la vie. Om het leven te kiezen. Je voulais parler à quelqu'un aujourd'hui. Ik wil tot iemand spreken vandaag. Frères et sœurs. Broeders en zusters. Qu'est-ce que c'est le choix? Wat is een keuze? Le choix, c'est l'action de choisir. Een keuze is dat je kiest. Quelque chose ou quelqu'un. Iets of iemand. Par rapport à d'autre. In vergelijking met een ander. Par rapport à quelque chose d'autre, je fais un choix. In vergelijking met iets anders kies ik. De préférence à autre chose. Het is een keuze van iets On anders. On choisit par rapport à une préférence à quelque chose. Je kiest hier op jezelf aan voorzien. Geliefde. Sachant la première remarque, il y a une seule chose qu'on peut pas, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas choisir. Er zijn een aantal dingen die wij niet kunnen kiezen. Il y en a pas beaucoup. Zijn er niet veel. Peut-être deux qu'on ne peut pas choisir. Misschien twee dat we kunnen kiezen. Amen. Amen. Deux seules choses qu'on ne peut pas choisir. Twee dingen die wij kunnen kiezen. Oh. Avec son corps, la première chose qu'on ne peut pas choisir. Is wat we niet kunnen kiezen. On ne choisit pas ses parents. Je kiest je ouders niet. On ne choisit pas ses parents. Je kan je ouders niet kiezen. Tu ouvres les yeux. Je opent je ogen. Quand j'ai ouvert les yeux. Wanneer je ogen hebt geopend. J'étais le fils de Banzakala. Ik was de zoon van Banza. On ne choisit pas sa maman. Je kiest je moeder niet. On ne choisit pas ses frères et sœurs. Je kiest je broeders en zusters niet. Tu ouvres les yeux. Je opent je ogen. C'est ton frère, c'est ton grand frère. Het is jouw grote broer. Lui, le fumeur de drogue, celui-ci. Een drugsdealer. Oui, c'est ton grand frère. Ja, het is je broer. Tu es là et tu entends pas. Je bent daar, je hoort. Ta petite sœur, elle est en train de se prostituer. Je zus is een prostituee aan het worden. Eh bien, c'est ta sœur. Ja, het is je zus. On ne choisit pas. Je kiest het niet. Dieu nous le donne. God geeft het ons. Dieu mes frères et sœurs. Lieve broeders en zusters. On ne choisit pas ses parents. Je kiest je ouders niet. On ne choisit pas ses frères et sœurs. Je kiest je broers of zussen niet. Vous qui êtes devenus mes frères et mes sœurs. Jullie die hier al mijn broers en zussen zijn geworden. Je vous ai pas choisi. Ik heb jullie niet gekozen. C'est Dieu qui vous a choisi pour moi. Het is God die jullie heeft gekozen voor mij. Vous qui êtes devenus mes parents. Jullie zijn met mijn ouders geworden. Mes enfants. Kinderen. Je ne vous ai pas choisi. God heeft jou gekozen. C'est Dieu qui vous a choisi pour moi. Het is God die jullie heeft gekozen voor mij. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Amen. Frères et sœurs, quand on comprend cela, wanneer we dit begrijpen, le meilleur cadeau qu'on nous pouvons donner à nos parents, het beste cadeau dat we onze ouders kunnen geven, c'est qu'ils connaissent le Seigneur Jésus Christ. Voor zij die de Heer Jezus Christus kennen. Si ne connaissent pas le Seigneur Jésus Christ, als je de Heer Jezus niet kent, même si nous pouvons les renvoyer aux inconnus dans les Western Union. Zoals als we zijn bekend bij Western Union. Nous sommes connus dans les Western Union, dans les Monogram. Merendeel van ons is gekend, is bekend bij Western Union. D'autres agences de transfert d'argent. Of een andere agent om geld te transfereren. Nous ne sommes pas les seuls, mes amis. We zijn niet de enige geliefden. Les Brésiliens. De Brazilianen. Les Philippiens. De Filipijnen. Les Marocains. Marokkanen. Enfin, tous ces gens-là. Al deze mensen. Doivent soutenir derrière eux, doivent soutenir la maison. Die het huis achter hun moeten gaan steunen. Le meilleur cadeau que nous pouvons donner à nos parents. Het beste cadeau dat we onze ouders kunnen geven. C'est de présenter Jésus, ils ne le connaissent pas. Is de Heer Jezus presenteren als zij dat vous kennen. Vos parents qui êtes là. Jullie ouders die hier zijn. Papa, maman. Papa, mama. Vous pouvez transformer la vie de vos enfants. Jullie kunnen het leven van jullie kinderen transformeren. Une source de bénédiction et de joie pour vos enfants. Jullie kunnen een bron zijn van zegening en vreugde. J'étais un jeune converti quand je servais dans ce pays. Ik was een jonge bekeerde man toen ik hier aankwam. Je me suis pas rendu compte que ça fait 30 ans que j'habite ici.
Ik had niet eens gedacht dat het al 30 jaar is dat ik hier woon. J'habite 30 ans ici au Pays-Bas. Ik woon hier al 30 jaar in Nederland. Donc, je suis beaucoup plus Pays-Basien que Congolais. Dus ik ben eigenlijk meer een Nederlander dan een Congolees. Je suis beaucoup plus Néerlandais, même dans ma façon de penser. Zelfs in mijn manier van denken. Je me rappelle quand je venais à peine d'arriver. Ik weet nog toen ik hier net aankwam. Nous avons suivi la formation d'aller évangéliser. We hebben de formatie gevolgd. Et on a vu une jeune fille. Ik zag een jonge dame. Qui lui dit on lui partage ne voulait rien des choses de Dieu et des mariages. Ze wilde niks van het woord van God alleen het huwelijk. Pourquoi tu ne veux pas les choses de Dieu? Waarom wil je niks hebben van het woord van God? Ze rencontre qu'elle était la fille d'un pasteur. Ze was dus de dochter van een voorganger. Ses parents étaient les pasteurs. Haar ouders waren voorgangers. Et cette fille disait. En dat meisje zei het volgende. Si le pasteur, la vie d'être pasteur des chrétiens, c'est comme ça. Als het leven zo is om een kind van een voorganger te zijn. Moi, je ne serai pas chrétien. Dan wil ik geen christen zijn. Mais pourquoi? Zeiden waarom? Ce que je vis dans la vie de mes parents. Want ik heb gezien het leven van mijn ouders. Je ne voudrais pas vivre la même chose. Ik wil niet hetzelfde meemaken. Ce que je vois qu'on fait avec mon père. Wat ik meemaak met mijn vader. Ma mère par les membres de l'église. Met mijn moeder, met de leden van de gemeente. Moi, je ne marierai pas un pasteur. Ik zal niet trouwen met de voorganger. Je ne serai pas mon pasteur. Ik zal niet een vrouw van een voorganger zijn. Parce que les membres de l'église ont torturé la vie de ses parents. Van de leden die maken het leven moeilijk van de ouders. Lieve broeders en zusters. Elie zei. Elie ceci. Ze zei het volgende. Mes parents. Mijn ouders. Ils ont souffert. Ze hebben geleden. Mes parents prient chaque jour. Ze bidden elke dag. Mes parents sont à genoux. Ze zijn op hun knieën. Mais ce que les membres ont fait. Maar wat de leden doen. Je ne veux pas être vivre comme elle. Ik wil niet als hun leven. Eh bien, les parents ont marqué la vie de cette fille. Hun ouders hebben leven van haar. Par les filles de consacration pour le Seigneur. Vanwege het leven van verbondenis voor de Heer. Je voudrais parler à toi, mon frère, ma soeur. Ik wil met jou spreken, mijn broeder en zuster. Papa, mama, toi qui es là, toi qui m'écoute à la radio. Papa, mama, die jullie mij volgen op radio. Est-ce que tu es une référence pour tes enfants? Ben je een referentie voor je kinderen? Ou à cause de toi, tes enfants refusent de se marier? Of willen je kinderen niet trouwen vanwege jou? Je connais une autre jeune fille. Ik ken nog een andere jonge dame. Je ne vais pas me marier. Zei niet, pourquoi tu ne veux pas te marier? Waarom wil je niet trouwen, vroeg ik. Et dans notre maison, notre foyer. In ons huis, in ons gezin. C'est comme un terrain de boxe. C'est comme un ring de boxe. Het is als een ring van box. Un ring de boxe. Een boxring. C'est chaque jour que les coups montent à gauche à droite. Het is elke dag dat er klappen komen van links en rechts. Au début, mama se laissait engaisser. In het begin liet mama gewoon alles tot zijn leven komen. Alors, maintenant, elle fait maintenant le pain. Eindstand wilden ze ook terugvechten. En maintenant, c'est le ring de boxe entre les papas et la maman. Dus dat is dus als een boxing voor de ouders. Si c'est ça le mariage. Als het natuurlijk zo is. Moi, je ne marierai pas. Wil ik niet trouwen. Je voudrais parler à vos parents. Ik wil tot jullie spreken, ouders. Êtes-vous un bon ou bien mauvais exemple pour vos enfants? Zijn jullie een goed of slecht voorbeeld voor jullie kinderen? Sachant que nous ne vous avons pas choisi. Weet je dat we jullie niet hebben uitgekozen? De kinderen hebben jullie niet uitgekozen. Moi, si je voudrais choisir aujourd'hui. Als ik vandaag kon kiezen. Dan zei ik van, misschien zou ik het kind willen zijn van. La femme de Mitterrand. Van Mitterrand. Amen. 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 Là, je suis né avec une prière en or dans ma bouche. Want je bent dan geboren met een gouden lepel in je mond. La femme de riche quelconque. Een kind van een bekende of een rijke. Habitant dans un palais avec des serviteurs, des travailleurs. Woonde in een paleis met dienaren en dienaressen. Mais Dieu a dit non. Maar God zei nee. Tu dois être l'enfant de monsieur Banza. Je moet het kind zijn van meneer Banza. Tu dois être le frère de José. Je moet de broer zijn van José. Le frère de X, Y, Z. De broer van zus en zo. Voilà pourquoi. En daarom, lieve broeders en zusters, nous ne devons pas avoir honte de nos parents. We moeten ons niet schamen voor onze ouders. Il y a certaines personnes qui ont honte de leurs parents. Sommige mensen schamen zich voor hun ouders. Qu'ils soient vieux, jeunes. Of het nou oud of jong is. Qu'ils soient riches ou pauvres. Rijk of arm. Qu'ils soient de petite taille ou de grande taille. Of ze nou klein zijn of lang. Ce sont les meilleurs parents que j'ai choisi. Het zijn de beste ouders die hier voor jullie hebben gekozen. Alleluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous ne devons pas avoir honte de nos frères et sœurs. We moeten ons niet schamen voor onze broers en zusters. Une vie qui nous fait nous-mêmes, nous, qui nous apporte la honte. Als ze hun leven dragen die ons schaamt, doen we niks. Hij zegt voor hen te bidden voor hun. Nous avons des enfants, peut-être que nous voulons donner notre éducation. We hebben kinderen waarvoor wij een educatie kunnen geven. Maar de duivel heeft hun ergens gebracht. Ons gebed is bidden voor hen. We moeten voor hun bidden. Alleluia. Amen. Ce sont les choix qu'on ne fait pas.
Het zijn keuzes die wij zelf niet doen. On ne choisit pas la couleur de ses yeux. Je kiest de kleur van je ogen niet. On ne choisit pas la couleur de sa peau. Je kiest de kleur van je huid niet. Raison pour laquelle je n'ai pas besoin de mettre les produits pour changer ma peau. Vandaar dat ik mijn huid niet hoef te bleken. Pourquoi tu vas changer ta peau? Waarom wil je je huid bleken? C'est la couleur que Dieu t'a choisi. Het is de kleur dat God heeft gekozen, voor je gekozen heeft. Alleluia. Amen. C'est la meilleure couleur que Dieu t'a choisi pour toi. Het is de beste kleur van de Heer die je heeft gekozen. Je hoeft geen carolei te zetten. Caroline, ah, ça c'est de nouveau. Dans mon temps, il y avait Ambi et Dorot. Vroeger hadden ze Ambi en Dorot. Et avec Asepso. Asepso. Amen. Amen. Oui, vous comprenez, je suis des années 70. Jullie begrijpen, ik ben van de jaren 70. Alléluia. On mettait, on se lavait avec Asepso. We gingen douchen met Asepso. Et on mettait Ambi et Dorot. En we doen Ambi erbovenop. Pour éclaircir la peau. Om de huid te bleken. On n'a pas besoin de mettre Ambi et Dorot. We hebben het niet nodig. C'est la meilleure peau que Dieu a choisi pour toi. Het is de beste huid wat de Heer voor jou heeft gekozen. Il y a certaines femmes qui mettent des longs de 30 cm. Sommige dames zetten hakken van 30 cm. Pour avoir la même taille que Mama Mireille. Om dezelfde lengte te hebben als Mama Mireille. Tu n'as pas besoin de mettre tout ça, ma fille. Je hebt het niet nodig, mijn la dochter. La taille que tu as, c'est la meilleure taille. De lengte dat je hebt is de beste lengte. Il y a personnes qui refusent d'être grand. Sommige mensen willen niet lang zijn. Et ils veulent commencer à marcher comme ça. Dus ze willen beginnen te lopen zo om zichzelf kleiner te laten lijken. C'est ce que j'étais. Dit is wat je hebt. À l'âge de 17 ans. Op je 17e. Dans une année, j'ai été allongé de 20 cm. Ik groeide met 20 centimeter. Au début de l'année scolaire, j'étais parmi les plus petits. In het begin van schooljaar was ik tussen de kleinste. À la fin, j'étais parmi les plus grands. Aan het einde bevond ik me tussen de langste. Alors, tous mes amis étaient restés les petits. Al mijn vrienden die bleven klein. Alors, moi, pour perdre la taille, je commençais à marcher comme ça. Dus ik om niet lang te laten lijken, ging zo lopen. Ik voelde als hun lengte zijn. Geliefde. Je hoeft je lengte niet te gaan veranderen. Je bent misschien 1,78 zoals Leslie. Wees blij met je lengte. Amen. Tu mesures 1,60 comme je sais pas qui ici. 1,60 zoals ik weet niet. Prie le Seigneur pour cela. Prijs de Heer voor dat. Entre nous. Tussen ons. A rencontrer une femme de ma taille, 1,91 m. Heb je al een vrouw gezien die 1,91 m is? 1,91 m. Dan heeft ze het moeilijk om mannen te ontmoeten. Want ze gaan gelijk zo naar de kijken. Alleluia. Amen. Tu as la meilleure taille que Dieu t'a donné. Je hebt de beste lengte wat de Heer heeft je gegeven. Gloire soit rendue à notre Dieu. Glorie aan onze God. Mais en dehors de cela, buiten dit, nous avons le choix. Wij hebben de keuze. Toute la vie est constituée de choix. Heel het leven is opgebouwd met keuzes. We moeten kiezen. Tu dois choisir pour Dieu. Je moet kiezen voor God. Personne n'est enfant de Dieu. Niemand is geboren als kind van God. On devient un jour enfant de Dieu. We worden op een dag kind van God. On devient un jour enfant de Dieu. Op een dag worden wij kinderen van God. On choisit là où on va habiter. We kiezen dat we gaan wonen. Moi, j'ai choisi de venir habiter en Hollande. Ik heb gekozen om te leven in Nederland. Je suis venu ici en Hollande ou en France par aventure. Misschien ben je hier gekomen als avontuur. Je voulais aller au Canada, mais tu t'es retourné en France, eh ben. Je wilde in Canada wonen, maar je moet je in de rester là. Eindelijk zat je kiezen voor wat te blijven. Pour faire ce choix. Of je bent geforceerd om een keuze te maken. On choisit les études qu'on va faire. Je kiest de studies die je doet. On choisit ce qu'on va devenir dans la vie. Je kiest wat je wordt in het leven. On choisit son partenaire. Je kiest je partner. Ma femme, je l'ai choisi. Mijn vrouw heb ik gekozen. Amen. Amen. C'est vrai que j'avais demandé au Seigneur. Ik had gevraagd aan de Heer. De me donner une femme qui chante. Om een vrouw te geven die zingt. Une femme qui comprend la langue de ma mère. Een vrouw die het taal van mijn moeder begrijpt. Amen, amen. Amen. Parce que de temps en temps, je parle la langue de ma mère. Want af en toe praat ik de taal van mijn moeder. Dès que je suis, j'ai des frères chinois, j'ai des frères. Ik heb Chinese broeders. Congo, Brazzavillois, j'ai des frères. Broeders uit Congo, Brazzaville. Burkina Faso, j'ai des frères partout. Ik heb overal broers. Die alle talen spreken. Ma mère a une autre langue. Mijn moeder heeft een andere taal die ik bij haar heb geleerd. J'ai choisi Dieu, Seigneur, donne-moi une femme qui comprendra au moins la langue de ma mère. Ik heb gezegd, God geef me een vrouw die mijn moedertaal begrijpt. Peu importe d'où elle vient, mais qu'elle comprenne du moins. Maakt niet uit waar ze vandaan komen, maar ze moet begrijpen wanneer ik praat. Oh, ils sont en train de me critiquer. Dat ze niet zegt van, oh, ze leveren kritiek op mij. J'ai demandé au Seigneur de me donner une femme qui chantait. Ik heb aan God gevraagd een vrouw die zingt. Maintenant, ma femme ne chante pas, j'ai pas de temps, mais où est parti le chant? Maar mijn vrouw zingt niet, zo denk ik van, wat zijn dit liederen? Aan het begin van ons huwelijk, ik zong. Maintenant, c'est moi qui chante.
Of zij zong iets, maar nu is ik niet ziek. Als ik niet zing, betekent dat ik ziek ben. Amen, amen. Amen. En même quand je me sentais pas bien, ça, et c'était comment ça de l'eau, il dit pas maman, il dit, il chante, c'est qu'il passe très bien. Wanneer ik me niet goed voelde, dan hoort zijn gezang van, oh, hij zingt, dan gaat het goed met hem. C'est un choix qu'on fait. Het is een keuze dat wij doen. Les jeunes célibataires, vous qui êtes là. Jonge vrijgezellen, jullie die hier zijn. Ou des femmes celles, des hommes celles. Of vrijgezellen, mannen of vrouwen. Faites un bon choix. Maak een goede keuze. Les choix qui vont vous aider à aimer le Seigneur. Keuzes die jullie zullen helpen om van de Heer te houden. À marcher selon la volonté de Dieu. Om te lopen in de wil van God. Frères et sœurs. Broeders en zusters. La deuxième chose que j'ai découvert pendant que j'ai médité cette parole. Het tweede wat ik heb ontdekt toen ik het woord mediteerde. Quel que tu es là, mon frère, ma sœur. Oui, je bent, broeder en zuster. Tu es le choix de Dieu. Je bent de keuze van God. Tu es le choix de Dieu. Je bent de keuze van God. Dieu t'a choisi. God heeft je gekozen. Deutéronome chapitre 7, le verset 7. Deutéronome 7:7. Deutéronome 7, verset 7. Deutéronome 7, verset 7. Le Seigneur dit à Israël ceci. De Heer zegt tegen Israël. Deuteronomium 7:7. Ik heb je gekozen boven alle andere volken. Het is niet omdat je groter bent in aantal. Of omdat je beter bent dan anderen. Het is mijn keus. Jij bent mijn keus. Jij bent mijn keus. Wij zijn de keus van de Heer. God heeft ons gekozen, geliefden. Wij zijn de keus van God. De reden waarvoor wij hier in Amsterdam zijn. Vanuit dat wij verbonden zijn. God heeft ons gekozen. Wanneer hij ons kiest. Is het omdat wij prijs hebben aan zijn ogen. Wij hebben we zijn belangrijk voor hem. Jezus zei tegen zijn discipelen. Het is niet jullie die mij hebben gekozen, maar ik heb jullie gekozen. Jean, le chapitre 6, le verset 70 ou 70. Johannes, hoofdstuk 6, 69 tot 70. Omdat er meerdere waren die met Jezus kwamen. Meerdere die in groepen kwamen. Et à un certain temps, op een gegeven moment. Il a dit qu'il était le pain de vie. Hij zei dat hij het brood van leven was. Qui mangera son pain, degene die het brood ging eten. Il aura la vie éternelle. Zou het eeuwige leven krijgen. Devrait manger son corps, jullie moesten het lichaam eten. Et boire son sang. En zijn lichaam of zijn bloed drinken. Dus voor degenen die daar waren. Zijn lichaam eten en zijn bloed drinken. Ik kan me voorstellen dat de mensen zeggen, dit is hekserij. Dit is hekserij. We zullen zijn lichaam eten en zijn bloed drinken. Ze hebben het niet begrepen. De Bijbel zegt, onze 70 discipelen zijn weggegaan. De Heer vraagt degenen die daar waren. Et vous, pourquoi vous ne partez pas? En jullie, waarom gaan jullie niet? L'apôtre Paul va dire, nous savons que tu es le Christ. Apostel Paul zegt, we weten dat je van Christus bent. Tu as les paroles de vie. Je hebt het woord van het leven. À qui encore irons-nous si ce n'est qu'à toi? Naar wie zullen we nog heen gaan als het jij niet bent? Et le Seigneur dit, de Heer zegt, c'est moi qui vous ai choisi. Ik heb jullie gekozen. C'est moi qui vous ai choisi. Ik heb jullie gekozen. Et on aime ajouter quelque chose de plus grave. En hij voegt nog iets toe. Mais l'un des points est un démon. Een van jullie is een demon. Il va parler de Judas Iscariot. Hij praat over Judas Iscariot. Il parle comme un démon. Die sprak als een demon. Afgelopen week hebben wij gezien hoeveel soorten demonen mensen kunnen zijn. Vrees niet, geliefden. Les enfants qui ont été reçus par la sorcellerie. Kinderen die zijn ontvangen door hekserij. La maman ne pouvait pas avoir d'enfant. De moeder kon niet of kinderen krijgen. Ou toi qui m'écoutes, qui est là. Of jij die mij hoort, die bent. Chercher l'enfant, c'est le fait du cher. Jij die op zoek gaat naar een kind bij een heks. On a fait des cri-cri. Ze hebben hekserij gedaan. Ze hebben je talisman gegeven. Ze hebben je water laten drinken. Ze hebben jou een plant gegeven. Ze hebben je iets laten eten. En daarna ben je een zwanger geworden. D'où est venu cet enfant? Van waar kwam het kind? Il ne vient pas de Dieu, il vient de quelque part. Het is niet afkomstig van God, maar van ergens. Nous avons eu la grâce de pouvoir écouter dans cette église un grand sorcier. We hebben de genade gehad om een grote heks te ontvangen te horen hier. Qui, par la de die door de macht van God alles heeft bekend. Par dire ce qu'il faisait auparavant. Zij heeft bekend wat ze van tevoren deed. Cet homme a révélé ceci. Die man die heeft het volgende openbaard. Je refuse de dire le mot témoignage.
Ik weiger het woord getuigen te zeggen. Révélé. Ik gebruik het woord openbaren. Amen, amen. Amen. Parce que un témoin peut être un menteur aussi. Een getuige kan ook een leugenaar zijn. On rencontre des témoins, je suis témoin, mais je raconte pas tout. Je kan zeggen van iemand is een getuige, maar vertelt niet alles. Certaines vérités, moitié vérité. Diegene vertelt de helft van de waarheid. Il ajoute à ce qu'il a écouté par-ci par-là. En hij voegt toe alles wat hij gehoord heeft. Ik praat over openbaringen. Cet homme nous a révélé que de man heeft openbaard. Quand il pratiquait la sorcellerie, wanneer hij de hekserij deed. Il avait deux spécialités. Had twee specialiteiten. C'était de pouvoir tuer, en fait. Toutes les femmes qui voulaient avorter. Alle vrouwen die abortus wilden plegen. Elles venaient chez lui. Komen bij hem. Et lui, il tuait les enfants. En hij ging de kinderen vermoorden. Il leur donnait quelques produits. Hij gaf hun producten. Et les femmes avortaient. En die kinderen kregen miskraam. Et le médecin nous a révélé ceci. Die man zei het volgende. Lui, il prenait ses enfants qui étaient dans le ventre des femmes. Hij nam de kinderen die in die buik waren. Il les gardait quelque part. En bewaarde ze ergens. C'était au début des années 2000. Het was in het begin van de jaren 2000. On n'avait pas encore découvert les clouds. Ze hadden de cloud nog niet ontvangen. Op jullie computers. Dat je dingen kan bewaren in clouds. Dans les nuages. In de wolken. Eh bien, moi j'étais déjà au courant depuis qu'on peut garder sur la nuage depuis. Ik wist al lang dat ze dingen konden bewaren in de cloud. Avant que les clouds puissent être découverts. Voordat de clouds ontdekt waren. Le médecin a dit qu'il gardait ses enfants dans les clouds, dans les nuages. Hij bewaarde de kinderen in de wolken, in de cloud. Les femmes qui venaient maintenant chez lui pour demander pour avoir des enfants qui avaient des problèmes de maternité. De vrouwen die bij hem kwamen om voor kinderen te vragen. Ce médecin a révélé ceci. Die man openbaarde het volgende. Il allait prendre ses enfants qu'il avait gardés dans les nuages. Hij pakte de kinderen die hij bewaarde in de wolken. Il les mettait maintenant dans le ventre de ses femmes. En gaf het aan de vrouwen die dat vroegen. Et après quelque temps, la femme était contente d'avoir mis au monde un enfant. En de vrouw werd dan blij dat die eindelijk een kind de wereld bracht. Ce n'étaient pas des enfants normaux. Het waren geen normale kinderen. Ces enfants. Die kinderen. Où ils ne pouvaient jamais arriver à l'âge de 18 ans. Of ze bereikten nooit de leeftijd van 18 jaar. S'ils pouvaient atteindre cet âge-là, ils étaient de comment s'appelle qui ici, monsieur? Il était anormaux. Ze waren gewoon abnormaal. Il était anormaux. Ze waren abnormaal. Certains avaient des problèmes mentaux. Ze hadden mentale problemen. Certains avaient des problèmes de concentration quelconque. Ze hadden concentratieproblemen. Et s'ils pouvaient arriver à un certain temps, les parents devraient mourir brusquement. En op een gegeven moment moesten de ouders plotseling sterven. Parce que le diable lui ne donne pas des choses gratuitement. Want de duivel geeft dingen niet gratis. C'est notre Dieu qui donne des choses gratuitement. Het is God die dingen gratis geeft. Frères et sœurs. Broeders en zusters. Tu sais que tu es l'enfant qu'on a cherché dans les fétiches. Als jij het kind bent die gezocht is in de hekserij. Notre Dieu est celui qui peut transformer. Onze God is een God die kan transformeren. Hij kan een steen transformeren in een mes om te loven. Tu peux te lever, dire au Seigneur. Dan opstaan en zeggen tegen de Heer. Peut-être que j'étais un démon. Misschien was ik een démon. J'étais un démon. Ik was een démon. Aujourd'hui je vais revenir un homme. Vandaag wil ik een mens worden. Parce que je t'appartiens. Want ik behoor tot u. Tu as tout intérêt de donner ta vie à Jésus. Het is in je goede recht om je leven te geven aan Jezus. Ton maman qui était partie consulter le médecin. Jij moeder die naar de heks was gegaan. Le sorcier, le marabout, le magicien, je sais pas de qui quoi. De tovenaars, heksen, magiërs. Pour avoir de om een kind te krijgen. Tu as besoin de te repentir. Je moet je bekeren. Tu as besoin de te donner ta vie à Jésus Christ. Je moet je leven aan Jezus geven. Et sacrifier ses enfants au Seigneur. Om deze kinderen te offeren aan God. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs. Lieve broeders en zusters. Notre Dieu nous a choisi. Onze God heeft ons gekozen. Que toi et moi nous puissions les connaître. Zodat jij en ik hem kennen. Et le servir d'exemple. En als voorbeelden kunnen dienen. Le servir de témoignage. En zoals we het zo kunnen getuigen. La deuxième chose, bien-aimé. Het tweede ding. Ou la troisième chose. Of het derde. Quand Dieu donne un choix à quelqu'un. Wanneer God een keuze geeft aan iemand. Comme nous l'avons écouté dans Deutéronome chapitre 30. We hebben gehoord in Deuteronomium 30. Il fait appel à notre volonté. Hij doet onze wil een roeping. Amen, amen. Amen, amen. Il fait appel à notre volonté. Hij roept tot onze wil. Le choix nous appelle à pouvoir engager notre volonté. Hij voelt dat wij onze wil bij elkaar samen. Moi, je fais les choix pour le Seigneur. Ik maak een keuze voor de Heer. Celui qui m'a dit, choisis la vie. Hij zegt, kies het leven. Tu vivras. En je zal leven. Qu'est-ce que tu veux choisir? Wat wil je kiezen? Qui est-ce que tu veux choisir? Wie wil je kiezen? Il y a un tableau dans notre maison qui m'a inspiré aujourd'hui.
Josué chapitre 24, le verset 15. Joshua 24, verse 15. Josué était là. Joshua was daar. En face des enfants d'Israël. Tegenover de kinderen van Israël. Il leur parle de la, des choix qu'ils devraient faire. Hij sprak tot hen over de keuze die ze moesten maken. Ce que Dieu avait fait dans leur vie. Hij ging aanleggen wat de Heer had gedaan in parmi het leven. Les enfants d'Israël. Tussen de kinderen van Israël. En va conclure ceci. En dan concludeert het volgende. Josué 24, le verset 15. Joshua 24, 15. Choisissez qui vous voulez. Kies wie jullie willen. Choisissez qui vous voulez. Kies wie jullie willen. Moi et ma maison. Mijn huis en ik. Moi et ma maison. Mijn huis en ik. Nous servirons l'Éternel. Wij dienen de Heer. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Als jullie het niet zien, vind ik het niet. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Kies vandaag wie jullie willen dienen. Ou le Dieu qui servait vos pères, vos frères et frères. Of de God die jullie aanbidden. Ou les Amoréens qui sont dans ce pays. Of de Amoréens die in het land zijn. Mais moi et ma maison. Maar ik en mijn huis. Moi et ma maison. Ik en mijn huis. Moi et ma maison. Ik en mijn huis. Moi et mes enfants. Ik en mijn kinderen. Moi et ma famille. Ik en mijn familie. Nous servirons l'Éternel. Wij dienen de Heer. Alleluia. Amen. 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 Quel est le choix que tu fais? Wat voor keuze maak jij? Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux choisir comme moi et ma maison servirons l'Éternel? Kan je kiezen zoals mij, ik en mijn huis dienen de Heer? Alors dites-le à ton voisin. Zeg tegen je naaste. Dit à ton voisin, tu peux choisir que tu veux, mais moi je servirai l'Éternel. Je kan kiezen wat je wil, maar ik zal de Heer dienen. Amen. Amen. Alleluia. Amen. 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 Il doit voir, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as choisi, mais moi je choisis pour l'Éternel. Ik weet niet wat jij gaat kiezen, maar ik kies voor de Heer. I don't know what is your choice, but I chose. I make the choice for the God, the everlasting God. Ik heb gekozen voor de eeuwige God. Alleluia. Amen. Geliefde, het roept onze wil. Amen. God die behandelt ons niet als robots. Robots kan je bevel geven. Enter. Enter. Die font sur un bouton, pas of je klikt ergens en hij luistert wat je wilt. Die font sur un bouton, y, et puis ça fait ce que tu demandes. Je klikt ergens en het doet wat jij wilt. Nous ne sommes pas des ordinateurs. Wij zijn geen computers. Nous ne sommes pas des ordinateurs. Wij zijn geen computers. Quand je programme un ordinateur, je lui donne les commandes, ça fait ce que je veux. Wanneer ik op een computer programmeer, doet hij wat ik wil. Je fais CTRL-C, il me copie. Ik doe CTRL-Z en hij kopieert. CTRL-V, il fait plaquer ce que j'avais copié. CTRL-V en hij plakt wat ik heb gedaan. Amen. Mais notre Dieu nous a donné la volonté. Onze God geeft ons de wil. De choisir om te kiezen vandaag. Il nous a donné la liberté. Hij geeft ons de vrijheid. De pouvoir faire les bons choix. Om de goede keuze te doen. Je ne sais pas quel est votre choix aujourd'hui. Keuze is vandaag. Choisis la vie. Kies voor het leven. Et tu vivras, mon frère, ma soeur. En je zal leven, mijn broeder en zuster. Amen, sa volonté, choisis pour Dieu. Doe je wil en kies voor God. Tu auras des faux qui viendront devant toi. Er zullen valse zijn die voor je zal komen. Tu auras affaire à des vieux prophètes. Je zal te maken hebben met oude profeten. Tu auras affaire à Satan, tu auras affaire aux serpents. Je zal te maken hebben met alle mensen met slangen. Tu auras affaire à ceux-là qui sont déjà perdus, qui veulent aussi que toi tu perdes. Mensen die afverdwaald zijn, die willen dat jij ook verdwaald. Mais aujourd'hui, maar vandaag, je t'en supplie dans le nom de Jésus-Christ. Ik smeek het jou in de naam van Jezus. Choisis la vie. Kies voor het leven. Choisis l'Éternel. Kies voor de Heer. Et tu vivras. En je zal leven. Alleluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Envers ta volonté. Bezet je pas, je wil bij één. Que le Seigneur touche la volonté de ton mari ou de ton épouse. Bid dat de Heer de wil van je man of je vrouw raakt. Bid que le Seigneur touche la volonté de tes enfants ou de tes parents. Bid dat hij de wil van je kinderen of je ouders raakt. Afin qu'il choisisse pour le Seigneur. Zodat zij kiezen voor de Heer. Et qu'il choisisse pour la vie. Dat ze kiezen voor het leven. Bien-aimés frères et sœurs. Geliefde broeders en zusters. Quatrième point, peut-être sur lequel je vais m'arrêter pour que nous puissions avoir le temps de prier. Vierde punt waar ik zal stoppen zodat we tijd kunnen gebed kunnen nemen. C'est qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire aujourd'hui sur les choix. Les bons choix que nous pouvons faire. Fais les bons choix. C'est que les bons choix, le Seigneur apporte la vie. C'est que notre Dieu a dit. Aujourd'hui. Vandaag. C'est que le Seigneur parla à travers Moïse aux enfants d'Israël. Dans ce passage de Deutéronome 30, le verset 15. Chemin devant toi aujourd'hui. Ik zet voor jou vandaag. La vie et la mort. Het leven en de dood. La bénédiction et la malédiction. De zegening en de vloek. Je mets devant toi un choix. Ik zet voor jou een keuze. Et te propose, choisis la vie.
Kies voor het leven. Choisis la vie. Kies voor het leven. Et tu vivras. In zijn leven. Le choix de Dieu, bien aimé, frères et sœurs. De keuze van God, geliefde. C'est le choix de la vie. Is het keuze van het leven. Le choix de la sanctification. Keuze van de heiligheid. Le choix de la repentance. Keuze van de bekering. Le choix de marcher avec le Seigneur. Keuze te lopen met de Heer. Décider de plaire au Seigneur. Om de wil te volgen. Non pas de chercher à plaire aux hommes. Niet de wil van de mensen gaan doen. C'est le choix qui apporte la vie. Het is de keuze wat het leven brengt. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid. Jean 14, le verset 6. Johannes 14, 6. En choisissant pour Jésus. Als je kiest voor Jezus. Nous choisissons la vie. Verkiezen wij voor het leven. Le choix de notre Dieu que nous faisons. De keuze van onze God wat wij doen. Nous choisissons la vie. We kiezen voor het leven. Deuxième point, lorsque nous choisissons pour le Seigneur. Wanneer wij kiezen voor de Heer. Nous choisissons le chemin de la solitude. We kiezen de weg van de solitude. Le Seigneur a dit. De Heer zei. Dans Matthieu chapitre 16. In Matthäus 6. Que chacun porte sa croix qu'il me suive. Dat degene iedereen zijn kruis draagt en volgt. De sa croix qu'il me suive. Iedereen vroeg zijn kruis en draagt vroeg. Le choix de choisir pour Dieu. De keuze te kiezen voor God. Tu peux te retrouver seul. Je kan je alleen bevinden. Les amis t'abandonnent. Vrienden verlaten jou. La femme t'abandonne. Vrouw verlaat jou. Les enfants se moquent de toi. Kinderen die grappen met je. Et la femme qui te quitte. Die vrouw die je verlaat. Parce que tu as choisi de faire la route avec le Seigneur. Omdat je gekozen hebt om de Heer te volgen. Tu peux te retrouver seul. Je kan je alleen bevinden. Mais tu n'es pas seul. Maar je bent niet alleen. Tu es avec le Seigneur. Je bent met de Heer. Le choix de choisir pour Dieu, bien aimé, frères et sœurs. Kiezen voor God, geliefde. C'est le choix où nous devons porter du fruit. Is de keuze dat we vruchten kunnen dragen. Jean chapitre 15. Johannes 15. Le verset 6. Johannes 15, 6. Le Seigneur dit ceci. De Heer zegt. Je vous ai choisi. Ik heb jullie gekozen. Pour que vous allez. Zodat jullie gaan. Et que vous portez des fruits. Dat jullie vruchten kunnen. Le choix que Dieu fait pour nous. De keuze wat God doet voor ons. C'est pour que nous allons porter des fruits. Is dat wij vruchten kunnen brengen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Jean chapitre 15, verset 6, s'il vous plaît. Johannes 15, 6. Je vous ai su quelqu'un de main à moi. Ik heb hier gezegd, en blijf maar uit. Maar het is maar in de zin van de ramas de charmant. Continue, tu peux continuer. Tu peux encore ajouter d'autres versets. Je kan andere versen toevoegen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Het is niet jullie die mij hebben gekozen, maar je hebt jullie gekozen. Afin que vous allez et que vous portez des fruits. Zodat jullie gaan de vruchten dragen. Continue. Ga verder. Continue encore d'autres versets. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus qui nous a choisis. Jezus heeft ons gekozen. C'est pour que toi et moi nous puissions aller porter les fruits. Zodat jij en ik vruchten kunnen dragen. Le fruit de repentance. Die staat op bekering. Bien aimé. Geliefde. Celui qui choisit pour le Seigneur. Degene die kiest voor de Heer. Celui qui choisit pour le Seigneur. Degene die kiest voor de Heer. Il se fera l'inimité avec le monde. Die zal een vijand zijn met de wereld. Romains chapitre 8, le verset 7. Romeinen 8, 7. Romains chapitre 8, le verset 7. Romeinen 8, 7. Quand on choisit pour Dieu, wanneer we kiezen voor God, on devient ennemi du monde. Worden wij vijand van de wereld. Quand on choisit pour Dieu, wanneer we kiezen voor God, on devient l'ennemi de faux. We worden vijanden van de valse. Quand on choisit pour Dieu, wanneer we kiezen voor God, on devient l'ennemi de ceux qui aiment la chair. We worden vijanden van de mensen die quand on choisit pour Dieu, bien-aimé, wanneer wij kiezen voor God, on va parfois se faire des ennemis dont on s'attendait pas. Soms maken we vijanden wat we niet eens verwachten. We waren altijd goed samen. Waarom staat diegene nu op tegen mij? Want je hebt gekozen voor God. Vele mensen willen niet kiezen voor God. Nous devenons leurs ennemis. We worden hun vijanden. Parce qu'ils ne veulent pas choisir pour Dieu. Kiezen voor God. Ils ne veulent pas régler leur vie devant le Seigneur. Ze willen hun leven niet in orde maken voor de Heer. Nous devenons pour eux une occasion de chute. We worden voor hun een manier dat ze varen. Je mets devant toi la vie et la mort. Is het voor jou het leven en de dood? La malédiction et la bénédiction. De zegening en de vloek. Et le Seigneur dit, choisis. De Heer zegt kies. Choisis la vie et tu vivras. Kies voor het leven en je zal leven. Choisis pour je bien-aimé pour terminer. Om te eindigen, geliefde. Je vous demande de lire avec moi dans Marc et Matthieu chapitre 19. Matthäus 19. Matthieu 19, vers 7 à 29. Matthäus 19, 17 tot 29. Matthieu 19, vers 7 à 29. Matthäus 19, 27 tot 29. Nous lisons ceci, bien aimé. We
lezen het volgende. Matthäus 19:27-29. Kies voor God, geliefde. Voici ce que la Bible nous dit. Dit is wat de Bijbel ons zegt. Dans Matthieu 19:27-29. Hij zegt ons het volgende. Père, prenant la parole, prenant alors la parole, dit. Merkte op. Voici, nous avons tout quitté om u te volgen. Et nous t'avons suivi. Hoe staat het dan met ons? Quand sera-t-il pour nous? Jezus antwoordde. Je suis le répondu. Luister. Je vous le dis en vérité. Wanneer ik de mens quand le fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire. Zitten, vous m'avez choisi. Vous serez les mêmes assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, broers, ce frère ou ce soeur, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des derniers seront les premiers. Bien aimés frères et sœurs. Pierre. Petrus. Avec les autres disciples, apôtres. Met de andere apostelen. Ils avaient fait un choix. Ze hadden een keuze gemaakt. Et choisi pour le Seigneur Jésus-Christ. Om te kiezen voor de Heer Jezus Christus. Et ils voyaient Peter ce qui s'est passé autour d'eux. Ze zagen wat er om hun heen gebeurde. Pierre en tant qu'homme. Petrus als mens zei. Il a demandé au Seigneur Jésus. Hij vroeg aan de Heer Jezus. Nous avons tout quitté. We hebben alles gelaten. Nous t'avons suivi. We zijn jou opgevolgd. Nous avons fait le choix pour toi. We hebben voor jou gekozen. Quand sera-t-il pour nous? Wanneer komt onze beurt? Wow. Ça c'est une question peut-être entre eux-mêmes, j'étais déjà parlé. Dit is een vraag waarover zij misschien al over hadden gehad. J'ai abandonné les faux cheveux. Ik zal nep haar achterlaten. J'ai abandonné les pantalons. Ik zal broeken achterlaten. J'ai abandonné certaines choses que je faisais. Ik zal dingen laten wat ik deed. Qu'est-ce qui va m'arriver? Wat zal er mij overkomen? Le Seigneur Jésus les répondit. De Heer Jezus antwoordde hun. En vérité, je vous l'ai dit. In waarheid zeg ik jullie. Ce n'est pas des mensonges. Het zijn geen leugens. Ce n'est pas de la blague. Het zijn geen grapjes. Mais c'est la vérité. Maar het is de waarheid. Quand le Fils de l'homme sera venu dans le renouvellement de toutes choses. Wanneer de mensen zijn komen. Eh ben, vous qui avez choisi pour moi. Jullie die voor mij hebben gekozen. Il y a le trône. Aan de troon. Il y a la gloire. Daar is de glorie. Qui vous est réservée. Die voor jullie gereserveerd is. Il y a l'autorité. Daar is gezag. Qui vous est réservé. Die voor jullie gereserveerd is. Et en plus de cela. En boven dat. Parce qu'à cause de moi, maintenant il va dire, maintenant je sais, va parler maintenant pour tout le reste. Want hij baat nu om hun te verhelderen. Pas simplement pour les disciples, les apôtres qui étaient là. Niet alleen voor de disciples of de apostelen die daar waren. Il va parler maintenant de quiconque. Maar praat over hun. Je viens de parler toi qui es le quitte, c'est quiconque. Jij diegene bent, diegene die à cause du nom de Jésus Christ, die vanwege de naam van à Jezus, cause de la repentance, vanwege de bekering, à cause de la sanctification, vanwege de heiligheid, à cause du ciel, vanwege de hemel, qui est quitté, je bent verlaten, ton frère, ton soeur, ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes amis, ta maison. Je huis. À cause du nom de Jésus Christ. Vanwege de naam van Jezus. Le Seigneur Jésus dit. De Heer zegt. Il y aura la récompense. Er zal het roepdaling zijn. Alléluia. Amen. Choisissez pour Dieu, frères et sœurs. Kies voor Jezus. Il y aura la récompense. En die zal het terugkrijgen. Choisissez pour le Seigneur. Kies voor de Heer. Il y aura la récompense. Die zal het terugkrijgen. Choisissez pour Dieu. Kies voor God. Il marquera la différence dans votre vie. Hij zal verschil maken in jullie leven. Est-ce que quelqu'un m'entend? Begrijpt er iemand mij? Bien-aimé. Geliefde. Lorsque je suis arrivé en Europe. Toen ik in Europa aankwam. J'ai rencontré ma famille qui ne connaissait pas le Seigneur. Ik ben mijn familie tegengekomen die de Heer niet kende. Mes cousins et cousines qui ne connaissaient pas Dieu. Mijn neven en nichten die de Heer niet kenden. Les choses de Dieu c'était de n'importe quoi. Dingen van God was niet echt belangrijk voor hun. Comme on n'avait pas assez de moyens. Toen de tijd hadden we niet veel goederen. En fait, juste quand nous sommes arrivés, quand je suis arrivé ici, la famille a perdu tous les moyens. Toen ik hier aankwam, was mijn familie alles kwijt.
Les sociétés ont commencé à tomber en faillite. Bedrijven die gingen failliet. Rien ne fonctionnait dans la famille. Niks werkte meer in de familie. Ils ont perdu beaucoup d'argent, ils ont vendu la plupart des biens qu'ils avaient. Ze hadden bijna alles verkocht omdat ze geen geld meer over hadden. Ça devenait difficile pour prendre en charge nos qui étaient ici. Het was voor hun onmogelijk om ons ook te gaan voeden. Je me rappelle, une fois j'allais à l'église. Ik weet nog, een keer ging ik naar de gemeente. Comme je n'avais pas l'argent pour payer les trams, les bus. Ik had geen geld om openbaar vervoer te betalen. Je marchais à pied. Dus ik ging te voet. J'allais à pied. Ik ging te voet. Ça m'a coûté 45 minutes de marche. Het nam me 45 minuten om te lopen. Avec ma Bible en train de chanter. Met mijn Bijbel aan het zingen. Et mes cousins et cousines se moquaient de moi. En mijn neven en nichten die lachten mij allemaal uit. Ils m'avaient même donné un sobriquet, ils m'appelaient Élie de Dieu. Ze namen mij zelfs een bijnaam en ze zeiden van Elie van God. Elie de Dieu. Elia van God. Lui ira au ciel même à pied. Hij gaat zelfs naar de hemel te voet. Dieu même voit que tu n'as pas l'argent pour payer. God ziet dat jij geen geld hebt voor een ticket. Je le disais, on ne fraude pas au nom de Jésus. Ik zei, ze frauderen niet in de naam van Jezus. Elie de Dieu, lui ira au ciel même à pied. Elie van God, zelfs te voet. Et on se moquait de moi. Ze lachten mij uit. Et je leur disais ceci. Ik zei hun het volgende. Je disais, nous sommes avec vous ici en Europe. We zijn hier met jullie in Europa. Si Jésus ne revient pas. Als Jezus niet terugkeert. Moi je commence à aller à l'église en avion. Ik ga met de vliegtuig naar Alors, de rigole, tja, 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 ze lachten. Tu es en train de rêver. Je bent aan het dromen. C'est n'importe quoi. Het is onzin. Les gens de l'Afrique rêvent, hein. Mensen van Afrika dromen. Marceline s'appelle, Lille s'appelle Marceline. Eentje heet Marceline. Marceline. Ik zei Marceline. Nous sommes avec vous en Europe. We zijn hier met jullie in Europa. Je suis en train de vous moquer sur moi aujourd'hui. Lachen maar vandaag uit. Si je suis ne reviens pas. Als deze niet terugkeert. Eh bien moi je vais en église en avion. Ik ga met vliegtuig naar de gemeente. Ils se moquaient de moi. Ze lachten mij uit. Eh bien je suis témoin en vérité je vous l'ai dit. In waarheid, wat zeg ik jullie? Plusieurs fois je suis parti en église en avion. Meerdere keer ben ik met een vliegtuig naar de gemeente gegaan. Alleluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alleluia. Amen. J'ai pris l'avion. Ik nam het vliegtuig. Ne pas pour aller prier. Niet om te gaan bidden. Aller prier. Om te gaan bidden. Je prends l'avion, je peux aller prier. Ik neem het vliegtuig om te gaan bidden. En vérité, je vous l'ai dit. In waarheid zeg ik jullie. À cause de mon nom. Vanwege mijn naam. Qui a fait le choix. Die jullie hebben gekozen. Van mij. À cause de moi. Vanwege mij. Même si on se moque de toi aujourd'hui. Jullie vandaag uitlachen. Qui va marquer la différence. Je zou het verschil creëren. Qui marquera la différence. Zou het verschil maken. Alleluia. Amen. Qui marquera la différence. Zou het verschil maken. Si tu choisis pour Jésus aujourd'hui. Je kies voor Jezus vandaag. Tu choisis la vie. Je kies voor het leven. Tu choisis le meilleur. Je kies het beste. Tu choisis la bénédiction. Je kies de zegen. Et non la mort. En niet de dood. Et non la malédiction. En niet de zegen. Tu as fait le bon choix. Je hebt een goede keuze gedaan. Maintenant debout, nous allons prier. Laten we opstaan om te bidden. Nous allons prier ensemble. Zullen samen bidden. Je demande à notre maman de nous conduire. Ik vraag mama om ons te begeleiden. Que nous puissions prier ensemble. Om samen te bidden. Fais le bon choix aujourd'hui. Kies het goede keuze. Le choix de la vérité. Keuze van de waarheid. De ce chemin qui mène au ciel. Van deze route die de le choix de la repentance et la sanctification. De route van heiligheid en bekering. Et qui marquera la différence. Zal het verschil maken. Alleluia. Amen. Jezus kiezen, wat wil dat zeggen? Jezus kiezen. C'est-à-dire, dat wil zeggen, tu seras toujours devant deux choix. Je zal altijd voor twee keuzes zijn. Il y aura le péché. Er is een zonde. Et il y aura la sanctification. En er is de heiligheid. Parce que Jésus, tu le vois pas comme tu me vois. Want Jezus zie je niet zoals je mij ziet. Quand tu choisis la sanctification. Wanneer je kiest voor de heiligheid. Quand tu choisis de craindre Dieu. Wanneer je kiest om de Heer te vrezen. Quand tu choisis de dire la vérité selon ton cœur. Je kiest de waarheid te zeggen hoe je hart is. C'est ça choisir Jésus. Dat is Jezus kiezen. Quand tu choisis de remplir le formulaire des taxes correctement. Wanneer je de belastingformulieren correct invult. À l'université, tu choisis de ne pas tricher. Je bent op een universiteit, je kiest om niet af te kijken. Tu choisis d'utiliser ton intelligence. Je kiest ervoor om je intelligentie te gebruiken. Pour faire l'examen. Om je examens af te leggen. C'est ça choisir Jésus. Dat is voor Jezus kiezen. Quand tu pars à la commune, tu dis la vérité. Wanneer je naar de gemeente gaat, je zegt de waarheid. C'est ça choisir Jésus. Dat is voor Jezus kiezen. Quand tu es dans les couples. Wanneer je als koppel bent. Tu ne voles pas l'argent de ton partenaire. Je stelt niet van je partner. C'est ça choisir Jésus. Dat is voor Jezus kiezen. Quand tu es en famille. Wanneer je familie bent. Tu es enfant dans la maison. Je bent kind in tu huis. Tu ne voles le pain dans les sacs de maman ou de papa. Je deelt niet uit de zin. C'est ça choisir Jésus. Dat is Jezus kiezen. Si quelqu'un comprend, peut dire amen. Si quelqu'un comprend, peut dire amen. Si quelqu'un comprend, peut dire amen. Amen. Tu
reinigungsmiddelen. Parce que les produits de nettoyage qu'on utilise au travail, ça sent toujours bon. Omdat die schoonmaakmiddelen goed ruiken. Tu ne peux pas les trouver partout. Je kan het niet overal vinden. Alors c'est là où le diable vient aussi s'infiltrer. Het is daar waar de duivel om komt. Les gens prennent les bouteilles de l'eau, n'est-ce pas? Ils mettent les produits de nettoyage. Ze zetten schoonmaakmiddelen erin. Ils sortent avec. En ze gaan weg met dat. Et là où les collègues volent. Daar waar de collega's stelen. Là où les collègues prennent même les sucres qu'on met sur la table, ils amènent ça à la maison. Daar waar ze de suiker op tafel neerzetten. Mais toi tu ne voles pas. Jij steelt niet. Toi tu ne voles pas. Jij steelt niet. C'est ça choisir Jésus. Dat is voor Jezus kiezen. J'ai nettoyé les avions. Ik maak de vliegtuigen schoon. On travaille avec beaucoup de Ghanéens, beaucoup de Nigériens. Met Nigeriaanse Ghanese. Les passagers oublient les passeports. Passagiers vergeten paspoorten. Portemonnee. Parce que dès que les passagers descendent, nous on entre pour nettoyer. Want wanneer jullie eruit gaan, gaan we schoonmaken. Et chaque fois quand moi j'ai trouvé quelque chose. Elke keer wanneer ik iets vond. J'ai donné ça à foreman, le superviseur. Ik gaf het aan mijn supervisor. Mais les autres volaient. Maar anderen gingen het stelen. Les autres cachaient. Anderen gingen het verbergen. C'était interdit de manger même dans l'avion. Dat is verboden om in het vliegtuig te eten. Mais ils entraient. Maar toen ze naar hemel. Première chose dans la cuisine de l'avion. Eerst wat ze doen in de pantry. Ils mangeaient vite, vite. Ze eten snel. Mais moi. Maar ik. Je chante. Ik zong altijd. Tout puissant, comment que considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Et puis ils se moquaient de moi. Ze gingen me uitlachen. Parce que je chantais, je travaillais. Want ik zong en ik werkte. Je prêchais Jésus. Ik preek over Jezus. Dans mon pauvre anglais. Met mijn kleine Engels. Geliefde. Après, als 6 maanden later, ze hebben me weggehaald. Raison? Reden? Parce que je ne voulais pas travailler le dimanche. Ik wilde niet op zondag werken. Ils ont dit, ils vont pas renouveler mon contrat. Ze hebben me gezegd, ik moet daar niet verlenen. Mais c'est très l'association des Ghanéens et Nigériens. Maar dat was het werk van Nigerianen en Ghanéens. Parce que je ne faisais pas comme eux. Ik deed niet als hun. Alors ils ont donné un mauvais rapport. Ze hebben slechte dingen. Mais je ne porte pas de lunettes. Je draagt geen brillen. Je ne porte pas de lunettes. Geen brillen. Je ne porte pas de lunettes. Ik begon schoon te maken vanaf 5 tot 7 uur. J'ai souffert. Ik heb geleden. Je continue avec le cours de néerlandais. Ik ging door met mijn lessen van Nederland. Je suis allé nettoyer encore à l'aéroport. Ik ging nog schoonmaken op het vliegtuig. Je nettoyais les toilettes publiques de l'aéroport. Ik maakte die wc. Toujours avec ma chanson. Elke keer met mijn vliegtuig. Je suis puissant. Quand mon cœur considère. Als echtpaar. Si tu réfléchis. Als je nadenkt. Si je ne travaille pas. Als ik niet werk. On va pas s'en sortir avec la chemichot. Gaan we niet goed met mijn afspraak. On avait l'enfant de 10 ans à l'époque, on devait payer son abonnement. We hadden een kind van 10 jaar, we moesten samen met het aandelen. Het was moeilijk. Je devais faire quelque chose. Ik moest iets doen. Je nettoyais bien. Ik deed het goed schoon. Mais un jour. Maar een dag. On m'envoyait nettoyer dans le business class. Ze stuurde me om aan business class schoon te maken. Cette femme travaille bien. Deze vrouw werkt goed. Je suis allé de wc schoonmaken in de business class van de KLM. Toujours avec ma chanson. Elke keer met mijn liedjes. Je tout puissant. Comme mon cœur considère. Tout l'univers. Créé par ton pouvoir. Bien aimé. Choisir Jésus. Fais correctement son travail. Il faut correct son werk doen. Il faut qu'on trouve la différence. La façon dont was ik voor de wc. Een jeune homme blond, tout blond, les yeux bleus. Een jongeman met blauwe ogen. Il vient me poser la question. Hij kon mij de vraag stellen. Madame, vous travaillez ici? Mevrouw, werk je hier? J'ai dit oui. Ik zei ja.
Il a dit, tu sais qu'ici on cherche les gens à l'intérieur de la société de Salem. Bien aimé, ce garçon a fait pour moi des démarches. C'est pour ça que je suis entré dans la société de Salem. So ben ik in Salem binnengegaan. C'est comme ça que je suis entré dans la société de Salem. So ben ik Salem binnengegaan. Parce qu'on a toujours le même parking. Want we hebben nog steeds dezelfde parking. Avec mes anciens collègues là qui volaient. Met mijn oude collega's die stelen. Toen à l'époque on avait l'uniforme bleu, vous connaissez l'uniforme des hôtels. Toen de tijd hadden we nog die uniform. We gaan door dezelfde poortjes. Mais quand on entre maintenant. Maar van hier van nu naar binnen gaan. Les gens qui nettoient partent en bas. De schoonmakers gaan links. Et nous de business class on monte en haut. En wij van de business class gaan naar boven. Ils avaient des difficultés pour me regarder aux yeux. Het was voor hen moeilijk om me aan te kijken in de ogen. Bien aimé. Geliefde. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Peu importe. Maakt niet uit. Le chemin par lequel tu passeras. De weg waarop je gaat. Maar jij die choisis Jésus. Lief voor Jezus kies. Jésus va t'honorer. Jezus gaat je eren. Jésus va t'honorer. Jezus gaat je eren. Si tu es prête. Als je klein bent. Jésus va t'honorer. Jezus zal je eren. Ik kwam hier slapen bij de gemeente. Je venais chercher la face de Dieu. Ik kwam aangezicht van God zoeken. Je venais pour le mari que Dieu m'a donné. Ik ben zo goed voor de man die mijn God mij geeft. Il me laisse la liberté de prier. Hij laat me vrijheid om te bidden. Il me laisse la liberté de jeûner. Hij laat me vrijheid om te vasten. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé. Daarom heeft God hem ook verhoogd. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé. Daarom heeft God hem geëerd. Choisis Jésus. Kies voor Jezus. Choisis Jésus. Kies voor Jezus. À l'école. Op school. À l'école. Op school. Choisis Jésus. Kies voor Jezus. Ici en Hollande. In Nederland. Les enfants de 8 ans. Kinderen van 8. Ils ont des copains. Die hebben vriendjes. On leur apprend la pilule à l'école. Ze leren al over pillen. Mais vous les enfants de l'église Ebenezer. Jullie kinderen van gemeente Ebenezer. Choisis Jésus. Kies voor Jezus. Ne prenez pas les copains. Ga geen vriendjes nemen. Les enfants qui prennent les copains vont aller en enfer. Kinderen met vriendjes gaan naar de hel. Ga niet in bed liggen met je vrouwen. Vous avez mis au monde sans vous marier. Jullie hebben kinderen gebaard zonder te dragen. Arrêtez de faire des rapports sexuels. Jullie moeten geen geslachtsgemeenschap hebben. Repentez-vous dans les vrais. Ga bekeren in de waarheid. Jusqu'au jour où vous allez vous marier. Tot de dag dat jullie gaan trouwen. Là, vous pouvez reprendre les rapports sexuels. Dan kunnen jullie weer geslachtsgemeenschap hebben. Les sorciers aiment les gens sales. De heksen die houden van vieze mensen. Facilement. Ze zullen jullie makkelijk kunnen vermoorden. De weduwe. Vous êtes seuls. Jullie zijn alleen. Sanctifiez-vous. Heilig jullie. Ne tombez pas dans la masturbation. Ga niet vallen in masturberen. Ne tombez pas dans la pornographie. Ga niet in pornografie. La jeunesse. Jeugd. Comme je l'ai dit au début. Hoe ik jullie heb gezegd in het begin. Le temps de se sanctifier. Jullie moeten jullie heilig. La Bible dit. De Bijbel zegt. Si tu vois que tu brûles beaucoup. Als je ziet dat je veel brandt. Marie-toi. Trouw. Je bent vrijgezel. Als je geen vrouw vindt. Je vindt geen man. Kom naar ons toe. Misschien is het een vloek. Die jouw gezicht blij maakt. We zullen voor jou bidden. Mais choisis Jésus. Choisis la crainte de Dieu. Jésus s'est fait pour dans les commerces. Dans les affaires. Choisis Jésus. Kiss for Jesus. Jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et mauvais jours.
beleidigd bent. Choisis Jésus aussi pour servir Dieu dans cette église. Kies voor Jezus om hem te dienen in deze gemeente. Au sein de l'église Ebenezer dans laquelle Adassa est né. In de gemeente Ebenezer waar Adassa geboren is. Ne croise pas les bras. Ga je handen niet kruisen. Je bénis cette soeur, j'ai vu son mail ce matin. Ik zeg deze zuster, ik heb haar mail vanochtend gezien. Elle est aide-soignante. Ze is een zuster. Elle dit, maman Mireille, j'ai suivi l'annonce pendant la veillée. Ik heb de mededeling gevolgd tijdens de nachtwaak. Moi, je suis aide-soignante, je travaille à l'hôpital, c'est mon domaine. Ik ben een zuster, ik werk in een ziekenhuis, het is mijn domein. Je vais prendre soin de cette soeur là qui est avec nous à Patton TV. Je l'avais vu, je vais m'occuper d'elle. Ik wil zorgen voor die zuster met ons Patton TV. Ik wil voor de Heere klappen voor dat. Regarde comment il faut servir Dieu. Kijk hoe je voor de Heere moet dienen. Tu es du domaine. Je bent in een bepaalde domein. Tant qu'il y a un besoin. Je hoort dat er een benodigd is. Saint Dieu. Dien God. C'est ça choisir Jésus. Dat is voor Jezus kiezen. Maar toi est-il dans cette église. Maak je bruikbaar in deze gemeente. Maar toi est-il pendant la convention du Dieu 4. Maak je bruikbaar voor de conventie van Veer. Il y a du monde qui vient. Er zijn vele mensen die zullen komen. Qui dépasse le nombre que nous sommes ici. Die meer is dan het aantal dat we hier zijn. C'est un monde que nous puissions nous mettre debout. Het vraagt van ons dat we met z'n allen opstaan. Au protocol. Bij de protocol. Accueillons les gens. Mensen ontvangen. Montrez-le où il y a le restaurant. Laat ons zien wat de restaurant is. Montrez-le où il y a la salle. Laat ons zien wat de zaal is. Travaille. Werk. Même si nous on voit pas. Ook als wij niet zien. Dieu dans les cieux voit. God in de hemel ziet het. Répétons cette prière à haute voix. Herhaal na mij. Il est miséricordieux. Le miséricordieux. Barmhartige God. Je me repens de tout mon cœur. Là où je n'avais pas choisi Jésus. Là où je n'avais pas choisi. Là où Jésus n'était pas. Là où je n'avais pas choisi la bénédiction. Là où je n'avais pas choisi la bénédiction. J'étais tombé dans le péché. Ik viel in zondes. J'avais choisi la malédiction. Ik had gekozen voor de vervloeking. Mais aujourd'hui. Maar vandaag. Je me repens de tout mon cœur. Begin me met heel mijn hart. Je renonce à la vie du péché. Ik neem afstand van het leven van zondes. Je renonce à la malédiction. Ik neem afstand van de vervloekingen. Au nom de Jésus Christ. In de naam van Jezus Christus. Je choisis le Seigneur Jésus Christ. Ik kies de Heer Jezus Christus. Pour toute ma vie. Voor heel mijn leven. Je renonce à la mort. Ik neem afstand van de dood. Tu s'est installé en moi à cause de la vie du péché. Die geïnstalleerd is in mij vanwege de zondes. Au nom de Jésus Christ. In de naam van Jezus Christus. Maintenant, pendant que tu chantes, tu avances ici jusqu'au bout te suivre. Kom nu naar voren, we gaan met z'n allen zingen. Jésus, je peux te suivre. Avance vite. Vraiment, le mauvais jour. Attends. Je veux te suivre dans les bons, les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir à vivre. À toi. Ensemble, nous voulons être là dans la présence de notre Dieu. Comment ça en a pour eux? Christy amène la jeune fille là-bas en noir devant, que personne ne rate cette bénédiction. Laisse niemand achter. Nous sommes au milieu de jeûne et prière de 40 jours. We zijn in het midden van onze vaste tijd van 40 dagen. C'est le meilleur moment de s'approcher devant le trône de Dieu. Het is het beste moment om voor het aangezicht van de Heer te komen. Vous êtes dans les jeûnes et nous jeûnons, nous sommes dans les jeûnes. Jullie zijn aan het vasten, wij zijn aan het vasten. C'est le meilleur moment qu'on puisse prier régulièrement pour vous. Het is het beste moment dat we vaak voor jullie kunnen bidden. Dank u wel, Seigneur. Seigneur Heere God. Je me suis avancé devant ton trône. Ik naderde uw troon. J'ai fait le choix. Ik heb gekozen. Le choix de la vie. Le choix
de keuze van het leven. Aujourd'hui encore une fois de plus. Vandaag nog een keer. Je renouvelle mon engagement vers le Seigneur. Vernieuw ik mijn verbondenis bij de Heer. Je donne mon cœur. Ik geef mijn mijn hart. Mon corps et mon âme. Mijn lichaam en mijn ziel. Ma maison et ma famille. Mijn huis, mijn familie. Mes projets, tout ce qui m'appartient. Mijn projecten en alles wat tot mij behoort. Je te les confie, Seigneur. Ik vertrouw het u, Heer. Et je proclame que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Verklaar dat u de Heer en de Redder bent van mijn leven. Je renonce à Satan. Neem afstand van de duivel. Et à toutes ses œuvres. En al zijn werk. Et je choisis la vie aujourd'hui. En ik kies voor het leven vandaag. Moi et ma maison. Ik en mijn huis. Dans les bons comme dans les mauvais jours. In de goede als slechte dagen. Nous te servirons, Seigneur éternel. Zullen wij u dienen, Heere. Étends ta main maintenant sur moi. Strek uw hand over mij. Mettez votre main sur votre tête. Leg je hand op je hoofd. Étends ta main sur moi. Leg je hand over. Et touche-moi, Seigneur. En raak mij, Heer. Étends ta main sur moi. Strek je hand uit. Guéris-moi. Genees mij. Étends ta main sur moi. Leg uw hand over mij. Et maak la différence dans ma vie. Maak het verschil in mijn leven. Étends ta main sur moi. Zorg over mij. Sauve ma famille et tous ceux qui me sont chers. Red mijn familie en alle die me dierbaar zijn. Étends ta main sur moi, Seigneur. Strek uw hand over mij. Ouvre-moi pour moi les portes. Open voor mij deuren. Étends ta main sur moi, Seigneur. Strek uw hand over mij. Maak la différence dans ma vie. Maak verschil in mijn leven. Que les ennemis soient dans la honte. Dat mijn vijanden zich schamen. Que les moqueurs soient dans la confusion. Dat zij in wanorde zullen zijn. Au nom de Jésus Christ. In de naam van Jezus Christus. Étends ta main, Seigneur, sur moi. Leg uw hand over mij. Change ma tristesse en joie. Verander mijn verdriet in vreugde. Change mon trouble en paix. Verander mijn wanorde in rust. Change le désespoir en espérance. Verander wanhoop in hoop. Change le chèque en réussite. Verander het falen in slagen. Change l'humiliation en élévation dans ma vie. Verander vernedering, verhoging. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In de naam van Jezus Christus van Nazareth. In de machtige naam van Jezus Christus. Le Dieu de différence. God van verschil. Maak la différence dans ma vie. Maak een verschil in mijn leven. Au nom de Jésus Christ. In de naam van Jezus Christus. Oui, le bonheur. Ja, het geluk. Et la grâce. En de genade. M'accompagneront. Volgen mij. Tous les jours de ma vie. Alle dagen van mijn leven. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ik zal verblijven in het huis des Heren. Jusqu'à la fin de mes jours. Alle dagen van mijn leven. Car j'ai choisi la vie. Want ik heb gekozen voor het leven. Et non la mort. En niet voor de dood. La bénédiction. De zegening. Et non la malédiction. En niet de vloek. Au nom de Jésus Christ. In de naam van Jezus Christus. Amen. 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 Et bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Vous aimez la prière? Vous avez besoin de prier tout en restant chez vous? Mais vous vous sentez seul? Désormais, vous n'êtes plus seul. Voici Adassa Prière en ligne. Adassa Prière en ligne sur www.mireilleadassa.org. Une seule adresse, www.mireilleadassa.org. Adassa Prière en ligne pour vous, pour votre famille et vos amis. Adassa Prière en ligne, apprendre à prier en ordre. Adassa Prière en ligne, apprendre à prier longtemps et sans se fatiguer. Avec l'archibishop Nathanael Bonza et le pasteur Mireille Bonza, du lundi au samedi premier culte, de 4h30 à 6h du matin. Du lundi au vendredi deuxième culte,
de 20h à 21h30. Adassa prière en ligne. Nous avons aussi des prières d'intercession du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30. Adassa, le cœur des dieux. Adassa, Royamongo. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Tout le samedi, de 1h à 6h du matin, veillez de prière. Yekola ko sambela po obikisa li botanayo. Dimanche, culte action des grâces de 9h à 12h. Vous voulez prier avec nous à partir de la Belgique, composez-le 00 32 42 44 10 75. Vous êtes en France 01 78 90 03 32. Votre appel part à partir de l'Allemagne, composez-le 00 49 221 98 20 34 15. Vous appelez à partir de la Hollande, Pays-Bas, composez-le 02 03 22 30 50. Vous appelez à partir des États-Unis, composez-le 001 209 255 1000. Code d'accès 14 40 99 10 15 50 ou 11 11 52. Adassa, école de prière. Pour plus d'informations, 0031 626 88 31 01. MireilleAdassa@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Shalom.